Le métier de conservateur varie en fonction du poste qui est occupé, c'est-à-dire en fonction du lieu où on travaille et de la collection dont on est chargé. C'est un métier à la fois scientifique et technique qui vise à étudier, conserver, enrichir et mettre en valeur et faire connaître un patrimoine. Je pense que pour exercer ce métier, il faut avoir une grande curiosité d'esprit, s'intéresser à tout ce qui se passe dans l'actualité, pouvoir se remettre en cause, apprendre de nouvelles manières d'exercer son métier, suivre le marché de l'art, notamment pour préparer les acquisitions. Et puis, il faut savoir aussi bien s'investir dans des tâches très scientifiques de recherche et des choses très techniques et pratiques, comme par exemple coller des cartels dans une exposition. Je n'ai pas de journée type, chaque journée est différente et c'est ça qui rend le métier aussi intéressant. Donc je peux passer une matinée à faire du récollement dans les salles, puis à tourner dans mon bureau pour préparer une liste d'œuvres pour une exposition, rencontrer un éditeur pour travailler sur un catalogue, participer à une commission d'acquisition, faire une visite dans les salles avec un groupe, écrire un article sur une nouvelle acquisition, aller à une vente ou rendre visite à un restaurateur. Je suis chargée de la collection des peintures du XVIIIe siècle. Ça représente à peu près 1500 peintures et des pastels, 90 pastels. Tout ce qui touche cette collection me revient, c'est-à-dire les acquisitions, les publications, les expositions, les nouveaux accrochages, les restaurations et les prêts aux expositions pour d'autres institutions. Alors, c'est un métier qui amène à rencontrer toutes sortes d'autres métiers. Bien sûr des restaurateurs, mais également tout ce qui concerne la régie des œuvres, donc les personnes qui s'occupent du mouvement des œuvres et les installateurs qui déplacent les œuvres. Mais au sein du château de Versailles, je travaille avec tous les métiers, le service des publics, des expositions, du mécénat, le service juridique, le service de la communication qui rédige tous les cartels, tous les textes qu'on voit dans les expositions, le service des éditions. Et puis, je travaille également aussi avec des chercheurs qui viennent étudier les œuvres. Alors, le plus gros problème que j'ai pu rencontrer au cours de ma carrière, ce sont des accidents sur des œuvres. Ça reste très rare, heureusement, mais c'est très douloureux, lors de montage d'exposition ou de déplacement d'œuvres, de voir une œuvre abîmée. Mon plus grand plaisir, c'est de faire de nouvelles acquisitions, c'est-à-dire de faire entrer de nouvelles œuvres dans la collection. Et c'est une véritable chasse, une véritable enquête pour préparer l'acquisition, la repérer, vérifier que c'est vraiment une œuvre qui a sa place chez nous, et puis enfin la voir arriver dans nos collections.